de suspense. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Marc Blatta qui va faire un débrief sur le ballon d'or de Karim Benzema. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Il l'a fait. Oui, Karim Benzema. Mon frérot, tu rentres dans la légende. Tu rentres dans la légende, frérot. Mais je crois que t'es un peu trop humble. J'ai vu ton discours un peu frileux, un peu timide. Eh, dis-leur, ma gueule, tu les as éteints. Même Kylian, t'as vu, je t'aime bien, Kiki. Mais t'as vu, tu t'es sauvé, t'applaudis pas trop. C'est quoi? Ouais, je suis inquiète, c'est comment? T'es pas content pour ton ref? Hein? C'est quoi les bails? On l'a vu aussi, l'autre, là, se ronger les ongles, là, Deschamps. T'avais le seum, ma gueule. Ouais, avec le seum. Et t'es là, ouais. Ouais, vous l'aimez, hein. Ça se voit, il avait une tête de... Karim, il lui a acheté un vrai pic. Il a dit quoi? Ouais, non, mais c'était pas que facile, hein. Parce qu'il y a des moments aussi, quand j'étais pas en sélection, après, ils ont bien zoomé sur la tête de Deschamps pour que les gens, ils comprennent bien. On te déteste. Karim, mon frérot. Ouais, je fais partie de tous ces nouveaux sursus qui t'appellent frérot alors que l'année dernière, ils te supportaient pas. Tu connais ces gens-là, Karim? C'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Maintenant, t'as des nouveaux cousins, tu vas avoir une nouvelle famille, t'as des gens qui vont t'appeler de partout, ton téléphone il est en fuego. T'as capté, les gens ils vont t'appeler, ils vont dire mais moi j'ai toujours cru en toi. Alors que c'est des grands menteurs, ils allaient parler à l'entraîneur pour lui dire ouais Karim, je crois qu'il est pas bon dans l'équipe, t'as capté. Traîne plus avec personne, Karim. Karim, t'es un Algérien, ma gueule. Et ta fierté d'Algérien. T'as vu, t'es un ballon d'or algérien, ma gueule. T'as vu, il y a eu Zidane. Après, il y a eu Benzema, ma gueule. C'est-à-dire que toi, faut que tu te rendes compte que là, aujourd'hui, le rêve d'un enfant, c'est de jouer au foot, être sur un terrain, passer à la télé. Ça, c'est un rêve d'enfant. Tu vois, on va dire que c'est assez simple à accomplir. Tu vois, pas pour tout le monde. Mais jouer au foot, frérot, il y en a plein, ils viennent, ça part, ça vient, on les oublie. Tu comprends? Le ballon d'or, c'est pas un rêve d'enfant. C'est un rêve de grand, frérot. C'est un rêve de grand. T'es un grand maintenant. Tu fais partie des légendes. Karim. T'as vu dans FIFA, dans les jeux comme ça, là, quand il y a les équipes légendaires, où il y a des vieux, tu seras dedans. Tu comprends ou pas la dinguerie que tu viens de faire? T'as marqué l'histoire, ma gueule. Un seul, ça suffit. Il n'y avait pas besoin de faire comme les autres. 5, 6, tant mieux pour toi si t'en as un seul. Tu sais ce que ça représente, un ballon d'or, Karim? Karim, ça représente que quand tu vas rentrer sur le terrain et que tu es toujours détenteur du ballon d'or de l'année 2022, t'as bien entendu ce que je viens de dire, t'as soumis toutes les autres joueurs de la planète. C'est-à-dire que ton regard ne peut plus se baisser face à un autre joueur. Tout le monde te voit quand tu rentres sur le terrain comme le meilleur joueur du monde 2022. Tu comprends ça ou pas? Tu comprends pas. Unfollow les gens. Déjà, je comprends pas pourquoi tu follow des gens. Follow personne, frérot. Follow personne. Vis ta vie. Ça y est, tu peux mourir tranquille, ma gueule. Tu sais que là, le nom Benzema, tu lui as donné une autre dimension. Viendra, suite à ce ballon d'or, suite à ce soir, ce qui vient de se passer, Karim, le nom Benzema va retentir dans l'histoire, aux oreilles de ton fils, de tes frères, de tes sœurs, je ne sais pas si tu en as, de tes cousins, de ta maman, de ton papa. Tu as compris? Le nom Benzema, il est associé à vainqueur. Ça a été un ballon d'or. Tu rentres dans la légende. Ton nom t'en a fait quelque chose. Parce que les joueurs là de foot, ils viennent, ils jouent au foot, après on les a un peu oubliés. Ah, c'est de la famille de lui. Non, Benzema, Zidane, t'as compris? Donc voilà, hein, mon frérot, voilà, félicitations, on va acheter tous les maillots, on va tout faire, on va peut-être parler tous les jours de toi, voilà. On a vu la RM, au fait, je voulais dire, t'es un petit coquin, on a vu, ouais frérot, tranquille. On va pas dire les tarifs ici, parce qu'après les gens vont dire, ah t'as vu. On va pas gâcher le moment. Mais on a vu. T'as vu, t'avais pas besoin de faire... On a vu, frérot. On l'a vu, la RM. Ils ont bien zoomé dessus. Ils savent. Depuis que j'ai parlé, ils savent qu'il faut zoomer sur les RM. Ils ont zoomé. Et tout le monde a vu, ma gueule. Donc voilà, hein, on va aller dormir. On va aller dormir. Je crois qu'on a suffisamment CUS pour que peut-être il va riposter. Après, je sais pas, t'as vu. Voilà, ma gueule, je crois qu'on a fait le boulot. On a fait le taf, hein, ma gueule. Bonne nuit. Voilà. Voilà, je l'ai éteint.
gratuit comme. Règle l'essence, s'il te plaît. C'est ça d'être trop gentil avec les gens. T'es là, tu fêtes leur victoire, tout, machin. Cristiano, ça fait depuis hier, j'attends ta story. Pourquoi tu dis pas à Karim, ouais, félicitations, tout ça. Quand toi, tu gagnes des trucs, lui, il te dit. Il dit même dans les interviews, tout ça, ouais, c'est un bon joueur et tout. Pourquoi t'es un rageux comme ça? Je t'aime plus, voilà, je t'aime plus. Une espèce de grand rageux, va. Même pas un message, rien. T'es là, tu fais comme si c'était rien passé. T'as un haineux? T'as dû quoi? T'as dû lui envoyer un texto? Tu connais ces textos d'hypocrite? Bien joué Karim, mon frérot, je suis fier de toi, nanani nanana. Si t'étais vraiment fier, tu l'aurais dit aux yeux du monde, tu l'aurais pas dit dans ton vieux texto de rageux. Rageux, va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être le dernier à lui souhaiter, genre, ouais, félicitations? Hein? C'est comme les mecs qui arrivent en boîte à 4h du matin. Crariz, t'es grave occupé avant. Wallah, tu fais rien! Cristiano, tu galères dans la vie, on sait tous, on l'a vu le reportage. Où la meuf avec Georgina, elle raye la table avec le maître là. Elle mesure une table, elle raye la table comme si il n'y avait rien. La tête de WAM, on comprend plus rien. On comprend plus rien dans le reportage. Tu souffres pas, on sait plus. On sait plus. Ouais, on sait plus. T'as vu les mecs comme ça là, comme Cristiano, c'est tellement des rageux, je sais ce qu'il pense dans sa tête. Ouais, il a pris le ballon d'or parce que je suis plus au Real. Si j'avais été au Real, ça aurait été encore moi le ballon d'or. Mais c'est grâce à lui déjà que t'es ballon d'or plusieurs fois. Dans tous les ballons d'or que t'as pris, il y en a au moins deux que c'est grâce à lui. Ou un, au moins un. Avec toutes les passes d'aise qu'il t'a fait. Lui au moins c'est pas un croqueur comme toi. Il croque pas les ballons. Il fait les passes. Il ouvre le jeu. T'as capté? Ouais, je suis devenu spécialiste du foot. Vas-y, rendez pas fou, mec. Ouais, quand c'était Ronaldo, bah, Benzema ne manquait pas de féliciter. Là, il tarde un peu, Ronaldo, CR7. Un petit peu. Benzema, Ballon d'Or, KB9, au sommet, marque. Ah, sympa le costume de Batman, là. Ce costume, il a l'air pas mal. Ouais, Tupac Shakur. Tupac Shakur. Donc voilà, c'était la story de Marc Blatta, voilà. À propos de KB9, Karim Benzema, détenteur du Ballon d'Or. Donc après Ronaldo, c'est vrai que il tarde à dire publiquement ses félicitations. Il tarde à dire ses félicitations, alors que voilà quoi. Alors que comment ça s'appelle déjà il disait le Real sans Cristiano Ronaldo, il va couler, comme a coulé le Barça sans Messi. Eh ben non, champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions, c'est réel, c'est réel, c'est des faits, c'est des faits. En général, de toute manière, le Ballon d'Or, c'est souvent qu'un joueur qui a gagné soit la Ligue des Champions, soit la Coupe du Monde. Il y a des exceptions, mais en général, c'est souvent dans l'équipe qui a gagné la Champions League et en général un attaquant. C'est comme les gardiens, il y a eu, je crois, qu'un gardien ou deux qui a été ballon d'or. C'est vraiment très très rare. C'est souvent des attaquants ou des capitaines ou des meneurs de jeu, tout ça. Et il y en a même qui ont eu le ballon d'or refusé. Pourquoi? Parce que, par exemple, Maradona, par rapport à tous les comportements, provocations de Maradona, ça collait pas à l'éthique du ballon d'or. Le ballon d'or, c'est aussi le comportement. À savoir que sur le terrain de foot, Karim Benzema n'aurait jamais eu de carton rouge de sa carrière, à vérifier. Et pratiquement pas de carton jaune. Vraiment, sur le nombre de cartons jaunes, ça devrait se compter sur les doigts d'une main, si je ne me trompe pas. Alors qu'il est physique quand même, il pourrait jouer davantage de son physique. J'écoutais l'équipe 21, il disait il défend avec son physique, oui, mais il fait pas faute. Il fait pas faute, c'est des réalités. Il est quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions de tous les temps. Il a 5 Champions League, 4 championnats d'Espagne, 4 championnats de France, une Coupe de France, une Coupe d'Espagne. Qui a 5 Champions League? 2000, 2000, je dis pas de conneries, 2016, 2017, 2018, 2019. Non, pas 2019, 2022 et 2014. Des Champions League d'affilée. Et là, il disait, il a remporté sans Ronaldo, celle-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un peu quand je vois certains pseudo chroniqueurs de foot, journalistes de foot, qu'ils essayent de diminuer ça. Ok, il y a eu l'histoire Valbuena,
mais aucune preuve juridiquement parlant. Et en plus, il a été écarté. Donc, s'il est innocent, c'est injuste qu'il ait été écarté. Je vais le répéter encore, mais c'est. Je vais le répéter encore une fois, mais. Et encore, c'est un ballon d'or, mais il peut en avoir un deuxième. On sait jamais. Imagine-toi, il fait comme Zidane. Finale de Coupe du Monde au Qatar, il plante 3 buts. C'est sûr qu'il aura le deuxième ballon d'or. Donc, c'est pas fini. Après, je pense pas qu'il va faire comme l'autre, là. Comment il s'appelle? Qui joue jusqu'à 41 ans. Comment il s'appelle? De l'équipe de Zlatan Ibrahimovic, qui continue à jouer au Milan AC à 41 ans. Il continue, il a faim. Après, tu peux plus enchaîner à 40 ans, tu peux plus enchaîner un match tous les 2 jours. Voilà. Dans les grandes compétitions, les coupes d'Europe des Nations, Coupe du Monde, ça joue tous les 2 jours presque. Sans compter le championnat anglais où même à Noël il joue. Il joue le 24 décembre, le 28 décembre, le 31 décembre et le 3 janvier. Je te jure, période de Noël en première ligue anglaise et ils font une semaine, ils te font 5 matchs en une semaine. J'abuse un peu, mais entre la Champions League, la Coupe de France, la Coupe nationale, la Coupe de la Ligue, la Coupe de ceci, la Coupe de cela. Voilà mon petit débrief de mon côté, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à Il vous l'a. abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Oui, Karim Benzema.